vous allez bien? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlogmas. Aujourd'hui je vais vous faire le petit room tour, parce que vous m'avez demandé de faire le petit room tour et j'ai complètement zappé de le faire. Donc bah je vais vous le faire aujourd'hui. Bichette commence déjà à jouer avec ses jeux. Donc je vais vous montrer un peu les petites décorations que j'ai faites. Il faut donc savoir que j'ai pas mal de décorations dans la cave, sauf que j'ai pas pu tout mettre à la maison, j'ai pu mettre que quelques bonhommes lumineux, etc. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait dans l'appartement. Bon, après j'ai pas décoré énormément parce que mon copain il déteste Noël, donc j'ai voulu faire un compromis et décorer une partie de l'appartement, vraiment à 3 mètres carrés en gros. Donc je vais vous montrer déjà dès l'entrée. Alors dès l'entrée en fait on a au niveau de mon placard, au niveau de mes vêtements, ce petit truc que j'ai acheté à AliExpress. Je pensais que c'était beaucoup plus gros, beaucoup plus qualitatif. En fait non, donc je l'ai payé 1€ ou 2€ je crois. Donc par contre les petites boules en polystyrène ça tombe facilement. Donc dès que ça tombe je suis obligée de nettoyer parce qu'avec Bichette qui bouffe tout je me dis bon. Donc voilà, ça j'ai acheté sur AliExpress, une petite couronne, voilà. Je pensais que c'était beaucoup plus gros, je voulais la mettre sur la porte d'entrée, mais en fait pas du tout, c'est très petit. Ensuite quand on entre dans l'appartement, donc voilà ce que ça donne. Tchiquette et Bichette. Donc voilà ce que ça donne, donc j'ai... Là ça fait vraiment bordel avec tous les cadeaux. Mais de base, imaginez sans les cadeaux, ça fait beaucoup plus aéré. Voilà ce que ça donne. On a notre petit canapé avec le petit cadeau. On a les vrais cadeaux de Noël. Le sapin, le radiateur qui a été décoré. Enfin toute cette partie là a été décorée. Là on ne voit pas trop mais la serre est allumée. Sauf que je n'ai plus assez de piles. Donc je sais pas si vous vous souvenez mais avant j'avais un meuble ici. Enfin à la place des cadeaux. Et heureusement que je l'ai vendu parce que j'aurais pas pu mettre mon sapin sinon. Parce que ça prenait vraiment beaucoup de place. Je suis hyper contente. Donc on va commencer par l'entrée. Alors... Pour Noël, bah, j'ai sorti le panier de Noël. Donc c'est un panier que j'ai acheté à Action à moins de 10€. C'est un panier avec, en forme de reine du Père Noël. Je trouve ça assez mignon. Bichette, il y va de temps en temps. Birdie, elle peut pas y aller parce qu'elle a trop grosses fesses. Là, c'est un panier que beau papa m'a donné pour les loulous. Ils adorent, franchement, ils adorent. Ils kiffent de trop. Ensuite, donc là, on a le niveau de la télé. Normalement, on a le cerf qui est vachement bien illuminé. On a la petite télé avec le feu de cheminée sur Netflix. Et c'est la base dans les vidéos. Ensuite, au niveau de mes bougies, j'ai sorti mes bougies de l'année dernière de chez Ma Jolie Candle, donc la sapin d'hiver, elles sont vraiment super bonnes. Enfin, elle est vraiment bien, donc je l'ai ressortie, en plus ça va bien avec ce petit thème, avec les petits sapins etc, enfin je trouve ça assez kiki. Ensuite j'ai mis ma petite bougie Glittering Star, étoile scintillante. C'est vraiment une super bonne bougie, elles sont super bonnes. Et là il y a mon petit cache-pot avec mes petites tartelettes, mes votives etc, que j'avais acheté sur Yankee Candle à moins 20%. Là j'ai mis ma petite statue avec le renne, le bonhomme de neige, le Père Noël, normalement ça s'allume. Voilà ce que ça donne. Ensuite sur la droite nous avons donc le sapin de Noël, nous avons aussi ça. Là c'est de la fausse neige que j'ai acheté à Action. Et j'ai mes petites figurines que j'ai acheté là à Leroy Merlin. Là c'est aussi à Leroy Merlin. Là c'est à Disney que j'ai acheté ça. Là c'est Leroy Merlin, là c'est Leroy Merlin, j'achète tout chez Leroy Merlin quasiment. Donc ça, ça m'avait coûté je crois dans les 40 centimes. En fait chez Leroy Merlin vous avez moins 80% dès le 26 décembre. Donc si vous avez un Leroy Merlin près de chez vous qui fait des décorations de Noël, bah en fait le lendemain, le 26, ça sera tout à moins 80%. Et généralement ça part très 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 vite. Donc le 26 décembre, soyez à 10h donc à Leroy Merlin. Moi j'ai acheté tout chez Leroy Merlin quasiment. Hein. J'ai jamais acheté plein pot, sauf cette année je me suis fait un petit plaisir à Truffaut. Donc voilà pour les étudiants, pour ceux qui n'ont pas vraiment de budget pour le Noël, bah sachez que à Leroy Merlin vous pouvez vous acheter des trucs à moins 80%. C'est hyper avantageux. Tout ce qui est sapin de Noël et tout, vraiment foncez, foncez, foncez. Je vous ai déjà fait des hauls sur ça, donc n'hésitez pas à aller checker mes hauls. Leroy Merlin à moins 80%, j'ai acheté mes bonhommes lumineux, j'ai acheté énormément, j'en avais pour 1000€ brut, j'ai payé à peine 200€ quoi, donc pour tout ce que j'avais pris, vraiment les gars, c'est vraiment très 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 avantageux. Au niveau des prix, voilà, c'était 40 centimes, ça 40 centimes, ça c'était dans les 10 ou 5 centimes, enfin tu vois, c'est des prix vraiment très, des prix très 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 bas. Ensuite, cette petite bouteille, c'est une bouteille que ma soeur m'avait achetée chez M&M's à New York. Il y avait des M&M's et j'ai tous mangé, après j'ai gardé la bouteille en souvenir. Ça c'est une composition que j'ai faite moi-même à Truffaut, donc il y a une branche qui fait jusque là, elle est toute petite la branche, et ensuite il y a trois branches comme ceci. Donc c'est des branches à 6,75€, donc là il y en a 3 et là c'est 9,95€, je trouve ça hyper joli, franchement ça fait pas trop Noël non plus, tu vois, ça fait vachement hivernal mais pas trop Noël, donc ça je pourrais le garder. Ensuite sur le dessus, donc nous avons la petite maison Toyland, ça aussi je l'ai acheté à 40 centimes, ça c'est à Jiffy, je l'ai payé plein pot, je crois que c'était 1 ou 2€, ça c'était aussi chez Leroy Merlin, un beau cerf aussi à...
Enfin, c'est tout à moins 50 centimes, tu vois. Ensuite, là, c'est mes petites plantes. J'ai mis une petite guirlande tout autour. Toi, je le mets toute l'année, ça fait super joli de la nuit. Donc là, il n'y a plus beaucoup de lumière parce que c'était vachement usé. Ensuite, sur la droite, j'ai acheté ça chez Maison du Monde. C'est une petite guirlande avec des pommes de pin, des petits cristaux et de la moutmout. Donc, je trouve ça hyper joli. En plus, ça accroche bien sur la neige comme ça, ça tombe pas. Là, c'est une maison que j'ai achetée à Action, à s'illumine. Mais là, je ne l'ai pas allumée, tiens. Je vais allumer, je vais vous montrer. Voilà, ça s'illumine. Ensuite, derrière, il y a toutes mes petites cartes de chez Ma Jolie Candle que j'ai gardées. Là, c'est un sapin aussi que j'ai acheté à Laura Merlin. Là, c'est aussi un bonhomme lumineux que j'ai acheté à Laura Merlin. Ça, je l'ai payé genre 4 ou 5 euros. Là, c'est mon petit terrarium qu'il faut que je refasse absolument parce que là, ça prend trop de place. Cette plante, elle prend trop de place. En plus, elle repousse. Là, c'est une nouvelle feuille. J'en peux plus. Faut que je coupe tout ça. Faut que je fasse quelque chose. En plus, là, faut que j'enlève toutes les phytonèques qui sont mortes. Donc, il faut que je refasse tout ça. Mais pas maintenant. Ensuite, sur le dessus, nous avons le Père Noël qui vient aussi de chez Laura Merlin que j'ai payé moins d'un euro aussi. Mon petit cactus, ça vient de chez Action, une petite petit truc comme ça avec une petite guirlande lumineuse à l'intérieur, je trouve ça assez mignon. Et bien sûr j'ai toujours la petite guirlande tout autour, je trouve ça assez mignon. J'ai acheté toutes mes guirlandes à Action, elles sont vraiment bien celles là donc là je sais pas si vous avez vu mais on voit pas très très bien la guirlande lumineuse qui est dans le radiateur. Donc j'ai vraiment plus de piles hein. Vraiment c'est une catastrophe, les piles sont usées. Normalement ça illumine bien le radiateur la nuit, c'est vraiment magnifique. Donc j'ai mis ça entre chaque barreau du radiateur et j'en ai mis aussi dans la composition pour qu'il y ait un petit peu de lumière. On le voit vraiment pas du tout mais ça se voit vraiment bien la nuit. Ensuite pour le sapin, donc ça je vous ai déjà montré sur ma chaîne le sapin, je vous ai montré quand je l'ai fait, les petites choses que j'ai achetées en plus cette année, parce que là tout ça c'est quasiment que des nouveautés. Donc les boules comme ça qui viennent de chez Truffaut, là c'est les petits champignons qui viennent de chez Truffaut, ça vient de chez AliExpress, les petits nœuds comme ça, là ça vient de chez Jiffy. Ça vient de chez Truffaut, c'est magnifique, hein, j'adore. Moi je mets jamais d'étoiles, je trouve ça moche. Je préfère mettre soit des gros nœuds, soit des poinsettias, etc. Là j'ai acheté ça sur AliExpress, des petites pommes de pin. Ça c'est chez Leroy Merlin. Alors chez Leroy Merlin ils font aussi de très bonnes boules, des compositions de boules. J'ai mis ça l'année dernière sur mon sapin, donc n'hésitez pas à aller voir mon sapin l'année dernière. Ils font des jolies boules comme ça ou des boules pailletées dans les mêmes tons. Ensuite ça vient de chez Truffaut, c'est un de leurs best-sellers de cette année. C'est vraiment magnifique les casse-noisettes. Donc j'ai pris celui-ci avec la lance, je l'ai pris aussi avec le cadeau, il est archi beau avec le cadeau, il est trop beau. Et je l'ai pris avec le petit tambour. Donc si ils en ont encore à Truffaut, j'irai m'en reprendre quand ça sera à moins 40%. Ça je l'ai pris à Jiffy et j'ai rajouté un petit nœud qui vient de chez AliExpress. Là ça vient de chez les petites pommes de chez Leroy Merlin à moins 80%. Là ça vient de chez Jiffy je crois ou Leroy Merlin, je ne sais plus. Ensuite il y a la petite voiture avec le sapin de Noël comme d'habitude. Là aussi c'est pareil, ça vient de chez Leroy Merlin ça aussi. C'est ma pote Sarah qui me l'a offert, c'est marqué Elisa dessus. Je sais pas si vous arrivez à voir, il y a une petite montgolfière avec le Père Noël, ça j'ai acheté à Laura Merlin à 1€. Ça, ça vient de chez Truffaut, c'est magnifique, j'adore. Ah mais il y a encore le... j'avais pas vu, il y a encore le petit truc pour protéger à l'intérieur. J'avais pas vu mais je vais le garder parce que ça se voit pas. Ensuite le petit champignon qui vient de chez Jiffy, ça vient de chez Laura Merlin aussi avec les petites plumes à l'intérieur, ça se vend par l'eau de 4. Là c'est chez Laura Merlin, là c'est chez Maison du Monde, c'est archi beau, j'adore. Ça c'est toujours chez Truffaut, ça c'est chez Jiffy, ça c'est Truffaut, c'est mes beaux-parents qui me l'ont offert. Voilà, il y a plein de belles choses, ça aussi ça vient de chez Maison du Monde, c'est magnifique ça. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petites pièces phares, donc j'ai pas mis beaucoup de boules parce que je suis pas fan de boules, mais c'est un peu bizarre ce que j'ai dit. Mais vraiment j'adore les petites décorations comme ça, je trouve ça magnifique. Ensuite sur le bas, oula, il y a une bichette qui est passée par là. Alors sur le bas j'ai des petites guirlandes comme ceci, donc ça vient de chez Action ça, donc ça s'illumine. Après j'ai dû recoller les petits bouchons de liège parce que ça s'en allait facilement. Là-bas il y a des petits trucs de ski, là il y a une petite luge et là la neige j'ai acheté à Action, à coûter pas cher. N'achetez pas à Truffaut ou autre parce que ça coûte super cher à Truffaut, achetez à Action les petites bonbonnes et tout. Ensuite ça c'est mon truc préféré de chez Truffaut, c'est le casse-noisette avec cette petite plume trop mignonne. Le petit tambour, la petite bouche qui s'ouvre normalement. Vraiment c'est un... j'adore, franchement c'est magnifique, les détails sont vraiment beaux. J'ai gardé l'étiquette, vous me dire. Ou celui-ci il m'a coûté 29,95€. Je sais pas si vous avez vu mon vlog la dernière fois où j'étais à Belle Épine pour chercher les cadeaux de Noël. Il y avait un tout petit minuscule qui coûtait 35€. Franchement c'est hyper cher, vaut mieux l'acheter à Truffaut comme vous pouvez voir. On a un beau et grand casse-noisette à 30€. Donc ça vaut vraiment le coup. Hein ma chouquette? Bah vous voyez,
Oh, t'es belle, c'est quoi ces petites babines là? Ouh, ces petites babines, ouh, c'est des petites babines. Donc ça, achetez-le à Truffaut quand ce sera à moins 40%. Après, je garantis pas qu'il y en a encore, parce que ça part vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On était en rupture de stock début décembre. Alors pour vous dire, on a dû refaire une commande, mais c'est une commande très, très, très limitée. Donc, je vous ai pas montré, qu'est-ce que t'as, Chiquette? Je vous ai pas montré mes calendriers de l'avant. Donc là, je les mets sur les côtés. Donc là, c'est le Sephora, le Nuxe, l'Origins, le Bonne Maman. Là, c'est celui de Birdie, mais elle l'a pas aimé. Je crois que j'ai ouvert que deux ou trois cases. Mais elle l'a pas du tout aimé. Enfin, je pense que c'est ça qui l'a fait vomir la dernière fois. Je sais pas si vous vous souvenez. Parce que je lui donne le petit truc de la petite gourmandise. Et elle sniff et elle recule. Genre, elle veut pas. Donc, j'ai pas insisté. J'ai gardé. Mais c'est dommage. Ça a gâché pour rien. Heureusement que c'était pas 35€, hein, tuk-tuk. Bah oui. Hein. Pourtant, l'année dernière, t'as bien aimé celui-ci. Je comprends pas. Ensuite, j'ai le Rituals qui est juste là. Et juste derrière tous les cadeaux, il y a le Look Fantastic qui est vraiment bien aussi. Donc là, il y a tous les cadeaux que j'ai fait. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo cadeau de Noël. Quand j'emballe les cadeaux, c'est juste là. J'ai fait un énorme cadeau pour ma sœur. C'est un énorme swap immense. Donc je suis contente qu'elle ait pu savoir ça. Ah, et Bichette est intéressée? Ben oui, t'es intéressée, mon chat. Bon. Ensuite, sur le côté, nous avons... Ah oui, donc j'ai laissé pendre la petite guirlande, en fait. Juste là, je l'ai laissée par terre. Donc ça fait tout le long. Et ça fait aussi le sapin. Donc ça, c'est une guirlande qui vient de chez... Je crois que c'est le Roi Merlin. C'est Leroy Merlin, je crois, ouais. Ensuite, j'ai acheté à Leroy Merlin, toujours, ce petit bonhomme Père Noël. Je trouve vraiment super joli. J'en ai plein de bonhommes. J'ai le chouchou, j'ai les pingouins, j'ai un peu de tout. Ouais, je pense que j'ai toute la collection de bonhommes lumineux. Donc, quand j'aurai une maison, bah, je pourrai enfin mettre tous mes bonhommes lumineux parce que j'adore ça. Et en tout cas, j'aime beaucoup. J'ai dû payer 5€ aussi, pareil. Ça coûte une blinde, ça. Vraiment, ça coûte une blinde. Achetez-les quand il y a moins 80% ou moins 40% parce que ça part beaucoup moins que les petites boules de noix. Ensuite, eh ben, dis donc, Bichette, t'as laissé tes poils sur le canapé? Oh la vache. Donc je disais, de base, en fait j'ai une petite couronne ici sur ma table basse, sauf que elle a pris feu. On lui a mis feu sans faire exprès. Donc bah j'ai pas de petit truc de table, mais j'en ai vu une à Truffaut à 30€, elle était vraiment jolie. Tant qu'il y a moins 40% pour l'acheter, et s'il y a pas, bah je serais un peu déçue, mais bon, je vais pas foutre 30€ dans un petit truc. Voilà le canapé, ce que ça donne. Donc au dessus j'ai changé les tableaux, j'ai mis le renne, comme d'habitude j'adore ce renne. J'ai mis l'astronaute, mon copain il a trop kiffé l'astronaute, il est trop trop beau. Et j'ai mis ce petit tableau là, enfin il l'a moins aimé celui-ci, avec des fleurs, je trouve ça assez joli. Donc ça vient de chez Desenio, le cadre vient de chez Desenio, et là ça vient de chez Babou les cadres. Donc pour le canapé, t'es belle Chuquette. J'ai mis les petits tons un peu hivernaux. J'avais acheté ça à Maison du Monde, c'était pas cher du tout. Parce qu'il y avait le coussin et la housse de coussin pour 10€. Ça valait vachement le coup, c'est un peu de terracotta, j'adore. Là c'est un coussin qui vient de chez Action. J'avais payé pas grand cher. Là c'est un petit plaid qui vient de chez Primark. Donc de base je mets le plaid sur tout le canapé parce qu'il y a les animaux qui foutent pas mal de poils. Mais là pour la vidéo je me suis dit vas-y on va ranger le canapé. Ensuite là j'avais acheté ça chez H&M. C'était à 14€ je crois. En fait je voulais la même chose que ça mais dans cette couleur là. Sauf qu'il n'y avait pas à Maison du Monde. Ensuite ça je l'ai acheté à H&M aussi. C'était pendant le Black Friday, j'ai vraiment profité du Black Friday pour m'acheter ce magnifique coussin, hyper doux, hyper qualitatif. Et dans la même texture, j'ai acheté le plaid en bleu canard vert, il est magnifique. Oh, j'adore, il est vraiment super doux, il est très très bien. Et je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a une petite guirlande derrière le canapé. Donc en fait cette guirlande là c'est une guirlande cascade, sauf qu'on a voulu la mettre là, au plafond. Sauf que la guirlande est moche. Mais quand je vous dis moche, c'est moche. Genre c'est hideux, ça fait cheap. Je l'ai acheté à Action à 10€. Franchement je le regarde de fou parce qu'elle est vraiment moche. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on l'a mis derrière le canapé. Comme ça le soir on a une petite lumière dans le dos. Mais c'est vraiment moche. C'est immonde, je vous conseille absolument pas les guirlandes de chez Action. Ensuite par terre j'ai voulu mettre mon petit cadeau. Donc c'est mon petit cadeau de Noël, j'adore. Il est trop 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 beau. Bichette il l'adore aussi parce qu'il arrête pas de regarder les petites lumières, c'est assez rigolo. Ça je l'ai acheté à Leroy Merlin aussi à moins 80%. Ensuite au niveau du bureau, donc j'ai rajouté le petit Christmas que j'ai acheté à Action. J'ai ajouté ça, c'est le petit sapin de Noël avec le pied, je sais pas si vous allez voir comme ça. Je l'ai acheté à Leroy Merlin. Au dessus nous avons un petit village de Noël, donc c'est mes beaux-parents qui me l'ont prêté cette année. Il est défectueux donc il peut pas on peut l'allumer mais les personnages ne peuvent pas tourner. Ça s'allume un petit peu sur les petites ampoules, c'est assez mignon. Il est vraiment très 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 beau. Et donc à côté j'ai rajouté une petite guirlande lumineuse dans le fond. J'ai rajouté... Ah il n'y a plus de pile de ça, il n'y a plus rien.
J'ai ajouté mon petit ours, on va dire, que j'ai acheté aussi à Leroy Merlin. Ça, c'est Leroy Merlin aussi. Là aussi, c'est Leroy Merlin. C'est Leroy Merlin. Ça, c'est Disney. J'adore. Donc voilà en gros pour ma petite décoration de Noël. Voilà, j'ai pas fait énormément. Je suis pas comme aux States qui décore toute la baraque ou je ne sais quoi. Là, vu que mon copain n'aime pas Noël, j'étais vraiment très 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 restreinte. Et aussi pour un 33 mètres carrés, mettre beaucoup trop de décoration de Noël, ça fait too much, ça fait beaucoup trop chargé. Là, j'ai vraiment été soft de par rapport à tout ce que j'avais. J'ai aussi fait pas mal de tri par rapport aux boules que je ne voulais plus. Donc c'était des boules bleues, etc. que je n'aimais pas. Donc ça, je les ai données. J'ai donné quand même pas mal de cartons de déco de Noël. Parce qu'en fait, on me les avait donnés. Parce que la personne ne les aimait pas. Et moi, je pensais que j'allais les mettre l'année suivante. Sauf que je suis allée à Leroy Merlin, j'ai trouvé mon bonheur. Donc ces boules bleues ne m'intéressaient pas. Donc je les ai données et je pense que ça fait des heureux. Voilà pour ma petite décoration de Noël. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Mais c'est vrai que cette année j'ai voulu faire du rouge. Enfin j'adore. Je vais peut-être voir à Leroy Merlin s'il y a un sapin un peu plus grand. Parce que j'aimerais bien avoir un truc un peu plus haut. Et peut-être un peu moins blanc. J'adore le blanc. Mais j'aimerais bien avoir un sapin vert pour voir ce que ça donne. Parce que ma soeur a un sapin vert et j'ai beaucoup aimé la couleur. Je trouve que ça ressort mieux les boules de Noël dessus. Donc j'aimerais bien voir à Leroy Merlin s'ils ont un grand sapin de au moins 1m80, 2m10 peut-être, vert, pour que je puisse tester parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne. Pire, si je le veux plus, tu vois, je peux le revendre et me faire un petit bénéfice dessus, tu vois. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos, ces ficherons juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour un prochain Vlogmas.